Bon, je pense que c'est un peu tôt. C'est le même genre qui est là toujours. Moi, je pense qu'on va attendre un petit peu. La CTG, je suis pas au courant, je sais pas, c'est pas... Bon, ça n'a pas changé grand-chose, ça a changé. Bon, on peut prendre une seule décision. Un petit peu, comme je suis pas trop politique. Pour moi, ce que la fusion, elle a changé, c'est que maintenant, on va tous travailler ensemble. En décembre dernier, la région et le département fusionnaient pour donner naissance à une collectivité territoriale unique. Adieu conseil régional, adieu conseil général, bonjour la CTG. La CTG, parlons-en. Quel est son mode de fonctionnement? Comment s'organise-t-elle? À présent qu'il a CTG voté, comment il a marché? Ça qui changeait, nous qu'a coûté zote en an, Mimisouk PIA. Bon, je pense que c'est un peu tôt. Pour moi, ce que la fusion elle a changé, c'est que maintenant, on va tous travailler ensemble. C'est le même genre qui est là toujours. Moi, je pense qu'on va attendre un petit peu pour les gens plus c'est. Et c'est quoi leur responsabilité? La CTG, je suis pas au courant, je sais pas, c'est pas... Bon, ça n'a pas changé grand-chose, ça a changé. Bon, on peut prendre une seule décision. J'y réfléchis toujours, hein. Je me pose des questions tous les jours. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Hein, à ce... Je ne sais pas. Je ne vais pas vous répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est quelque chose qui nous arrive, tout simplement. Un petit peu, comme je ne suis pas trop politique. Ah ouais, mais là, ça ne va pas très bien. Pour le moment, j'attends, puis je verrai bien. Hein. Pour moi, ça n'a pas changé. Excusez-moi, je ne suis pas trop au courant. Pour moi, déjà avant, région et... Conseil général, c'était tout un problème, donc je pense avec la CTG. La société est divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Tout, encore pour voir et constater un changement. Donc, bon, non, j'ai pas encore vu de changement, mais je pense qu'il faut donner du temps. Que les choses se mettent en place. Comme une collectivité unique, on réfléchira ensemble. Il y aura plus de distinctions entre la région et département. Là maintenant, je pense que ça sera une bonne chose. Et c'est quoi leur responsabilité? Déjà, ils sont élus, ils sont choisis. Et là, ils vont réfléchir bien comment ils vont entamer leur projet. On va attendre un petit peu. Voilà, donc s'il y a des choses à savoir, tenez-nous au courant parce qu'on a vraiment besoin de promouvoir la Guyane. Je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas qu'est-ce que ça change. Quelque chose qui nous arrive, tout simplement. Il suffit d'attendre et c'est fait avec. Eh bien, au niveau administratif, pour les écoles, qu'est-ce qu'il y a encore pour les jeunes. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Faudra attendre. Faudra attendre les preuves des élus qui sont en place. Hein. Et par contre, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas trop. Je ne vais pas vous donner une question exacte par rapport à ça. Oui, je pense qu'il y aura un changement. Un changement, je pense. Hein. Eh bien non, hein, là, on ne peut rien dire hein, pour l'instant. On est là tout simplement pour s'y observer. Et puis après, avec le temps, on verra. Voilà. C'est pas bien parce qu'ils ont mal fait leur truc aussi. Ouais. C'est tout. Ils ont mal fait, ils ont mal réfléchi en gros. Je ne sais pas au niveau... Je veux dire ça et certains travaux, certaines choses qui vont se faire, peut-être plus facilement aussi. Même pour les personnes âgées, parce que hein, il faut s'occuper aussi, il faut penser aux personnes âgées. Parce que là, apparemment, ils oublient un peu les personnes âgées. D'accord? Alors bon, je pense que ils vont bien m'entendre. La CTG, qu'est-ce qui a changé? Notre invité nous en parle tout de suite. Boris Changsit, bonjour. Bonjour Yolaine. Vous êtes conseiller territorial à la CTG? Oui. Et en fait, la CTG, depuis son installation, vous savez qu'il y a beaucoup de questions qui taraudent nos téléspectateurs.
Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est donc comment cohabitent les deux institutions, enfin l'ancien conseil général et l'ancien conseil régional. Comment se passe cette cohabitation ? Bien, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une cohabitation puisque, vous l'avez compris, la CTG est la fusion des deux anciennes entités que sont le conseil régional d'une part et le conseil général d'autre part. Très bien. Et il y a maintenant une seule et même institution qui regroupe en son sein tous les agents et qui est en charge des politiques publiques qui étaient menées auparavant par les deux institutions. Alors, vous l'avez certainement entendu auparavant et peut-être encore maintenant, la grande crainte de la plupart des gens, c'est le pouvoir autocratique, enfin le fait qu'aujourd'hui le président de la CTG puisse avoir tous les pouvoirs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour un petit peu éclairer et rassurer tout le monde ? Alors, c'est une question qui a été débattue pendant la campagne électorale, voire même un peu avant, au moment où la loi du 27 juillet 2011 a institué la CTG. D'autant plus qu'en Martinique, ils ont fait le choix d'avoir un président de l'exécutif et un président de l'Assemblée délibérante. Oui. Nous avons toujours dit, Rodolphe Alexandre Ier, qu'il n'y avait pas de crainte de dérive autocratique dans la mesure où le système prévoit des contre-pouvoirs qui sont l'opposition, qui siège évidemment à la CTG, vous-même, les médias, qui sont là pour informer et pour révéler d'éventuelles dérives, le contrôle de l'égalité, qui est la possibilité pour le préfet de critiquer des actes administratifs qui seraient illégaux, et puis enfin, le recours juridictionnel que tout citoyen a contre les décisions de la CTG devant le tribunal administratif. Donc il y a beaucoup de mécanismes de contre-pouvoir qui permettent d'éviter le risque d'autocratie ou de dictature qui est en fait inexistant. Très bien, donc ça c'est pour nous rassurer. Oui. Alors ensuite, la question qui se pose également, c'est est-ce que notre fameuse CTG va être vecteur d'opportunités professionnelles pour notre jeunesse par exemple ? Alors oui, évidemment la CTG en elle-même ne crée pas d'emploi. Elle crée les conditions de l'emploi et elle permettra maintenant, avec la transversalité des missions qui sont la sienne, de pouvoir dynamiser l'économie. Le président Alexandre et sa majorité, à laquelle je leur appartenir, a cette vision politique que désormais la CTG pourra être un vecteur de développement économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire structurer les filières économiques qui sont porteuses d'emploi, puisque l'emploi ne se décrète pas. L'emploi, ça dépend d'un marché, ça dépend aussi de la confiance que les employeurs ont dans ce marché pour créer de l'emploi. Et il faut donc créer un terreau dynamique pour que cette naissance d'emploi arrive, et nous en avons besoin quand on sait les besoins de jeunesse en la matière. Le président de la CTG a déclaré lors de son installation qu'il allait résorber le retard infrastructurel de la Guyane. Alors quels vont être vos axes prioritaires ? Comment ça va s'articuler ? Par quoi vous allez commencer d'abord ? Alors, l'on sait très bien quand on fait de la politique en Guyane et quand on la suit, que la Guyane a beaucoup de retard infrastructurel. Oui. C'est la raison pour laquelle un des grands débats politiques qui aura lieu vis-à-vis du gouvernement, c'est la question du pacte d'avenir, qu'on évalue à plusieurs centaines de millions d'euros, voire presque plus d'un milliard, voire deux milliards. Le président François Hollande, quand il était venu en Guyane dernièrement, avait indiqué que c'était une priorité pour la Guyane. Rodolphe Alexandre n'a de cesse de peser politiquement, et c'est important de le dire, puisque aujourd'hui la CTG a un poids politique beaucoup plus fort que quand elle était scindée en deux collectivités avec deux présidents qui parfois pouvaient s'opposer d'un point de vue politique. La Guyane désormais parle d'une seule voix et espérons que cette discussion, j'allais dire le rapport de force, vous voyez, que cette discussion permettra que nous puissions avoir en effet les fonds qui nous sont indispensables à ce retard structurel qui sont liés à nos diverses singularités par rapport au territoire national. Alors est-ce qu'on peut espérer qu'en 6 ans on puisse progresser par rapport à ce dit retard ? C'est au-delà d'un espoir, c'est un objectif que nous sommes fixés. Nous serons jugés évidemment à la fin de la mandature, mais sachez qu'il y a une grande motivation de la part du président Alexandre, de ses vice-présidents et de tous ses conseillers. Nous allons faire avancer la Guyane, mais également, et c'est aussi notamment ma délégation, dans le cadre de la décentralisation qui conférera plus d'autonomie puisque nous sommes un laboratoire institutionnel avec la CTG. Alors pour finir, la question est, qu'est-ce que la CTG a changé véritablement dans le quotidien des Guyanais ? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tangible. Aujourd'hui, les administrés et les Guyanais auront un comptoir unique par rapport aux deux anciennes collectivités majeures. Vous n'avez qu'un seul référent. Quand vous êtes porteur de projet pour avoir des subventions notamment, quand vous êtes président d'association pour être aidé, quand vous avez une manifestation sportive, avant il y avait les deux collectivités, maintenant il n'y a qu'une seule collectivité. Donc il y aura un peu de synergie et de cohérence dans les politiques publiques sans antagonisme politicien. Tout va bien ? Nous verrons. Merci Boris Chantier. Merci à vous.
C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La CTG, il est bien évidemment trop tôt pour tirer des conclusions. En anglais, on dit « wait and see ». Nous-mêmes, nous qu'a dit « trop pressé, pas qu'a fait joue l'ouvri ». Président Aguin, 6 ans pour faire la Guyane avancer. Nous qu'a attendre changement en an, Mimisouk pays.